Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo des chroniques d'une expérience de mort imminente. Vous avez eu l'occasion de voir un petit exercice en fait au niveau de l'aspect sonore, au niveau de l'aspect fréquentiel. Donc je vous ai mis quelque chose qui marque la mémoire, qui a marqué la mémoire aussi. Ce sont donc ces ondes radio, ces radios qui ont fait, et on entend même un peu le brouillage que les Allemands faisaient pour essayer d'atténuer la passation de messages. Mais c'est au travers de ces fréquences, en fait. Et je ne vais pas vous parler un peu comme on explique souvent les événements qui se sont produits, la première guerre, la deuxième guerre, et ainsi de suite, pour faire le voyage dans le temps, pas du tout. Je vous parle de fréquences, car nous avons bien sûr beaucoup de découvertes qui nous parlent des fréquences. Vous avez donc les fréquences qui interagissent au niveau du système nerveux, qui interagissent au niveau du corps. Nous sommes reliés à des champs magnétiques, des champs électromagnétiques aussi avec la modernité. Et c'est à travers ces fréquences qu'on prend conscience évidemment qu'elles jouent un rôle sur notre manière d'agir, de penser, de réfléchir. C'est les premières bases du voyage dans le temps. C'est de trouver les bonnes fréquences pour pouvoir les suivre et pouvoir interagir chez un individu, en l'occurrence pour comprendre et voir un petit peu son fonctionnement et ensuite mettre les messages. Il y a beaucoup de découvertes qui suggèrent à travers un phénomène quantique ou un phénomène de haute fréquence ou basse fréquence qui peut interagir dans la guérison, dans l'auto-guérison. On peut travailler aussi diverses fréquences qui interagissent dans la manière d'anticiper, de prévoir. Il y a plusieurs choses, donc je vais pas vous faire un grand discours sur les fréquences, les ondes au niveau de la musique. C'est tous un violon ou un instrument à cordes ou que sais-je, joue sur l'aspect émotionnel. Je veux dire par là que nous sommes tous des émetteurs et récepteurs. C'est connu, je vous apprends rien. Nous sommes tous des émetteurs et des récepteurs. Donc, on accumule des énergies, on accumule des ondes, un peu dans tout, hein. Sur un aspect sphérique, il y a les ondes naturelles et les ondes artificielles, téléphone, GSM, enfin tout ce que vous voulez, ordinateur. Mais nous nourrissons ces énergies par les véritables émotions. Ces émotions se répercutent évidemment dans l'entièreté du corps, même au niveau musculaire, nerveux, osseux, et évidemment tout ce qui est système cortex et ainsi de suite. C'est de là qu'on veut faire comprendre que ces énergies agissent dans tous les milieux. C'est ainsi qu'on a travaillé et développé évidemment un homme balise qui a ensuite fait le cheminement vers le Reiki, donc la désignation des objectifs énergétiques à travers un corps et aussi la passation de ces énergies. Mais nous y revenons plus tard. Donc, nous sommes, en fait, dans notre boîte crânienne, capables de percevoir, recevoir et émettre. On le voit à travers le Reiki, on le voit à travers d'autres disciplines, l'intégration, enfin tout ce que vous voulez. Mais nous sommes, en fait, comme des piles. Des piles qui, à travers un système complexe, je dirais, de neurotransmetteurs, un ensemble de beaucoup de choses font en sorte que nous pouvons produire de l'énergie, en recevoir et aussi parfois être en plat de batterie. C'est sur ces bases, en fait, qu'ont été commencés les premiers tests du voyage dans le temps. C'était d'abord, avant d'envoyer une information, de décrypter toutes les fréquences qu'un corps peut produire. Et il y en a beaucoup. Vous avez des fréquences qui interagissent émotionnellement par rapport à un choc.
violents, comme je vous ai déjà dit dans des conférences, des chocs qui font en sorte que la personne se retrouve, je dirais, dans un état d'énergie basse et peut percevoir des subtilités, des messages subliminaux, des synchronicités ou ressentir des énergies qui rappellent une personne décédée ou encore un surplus d'énergie qui doit être géré par une forme de méditation et cette méditation doit être en général expressive, c'est très important ce que je vous dis. Et aussi dans le cadre de la méditation, on a un double sens. Beaucoup de gens que j'ai rencontrés les dernières années me disent, tu sais Jean-Marie, les méditations c'est vrai, mais souvent on essaye de ingérer des situations et des énergies positives, mais il y a d'autres pensées qui interagissent. Donc je veux dire par là, je prends un exemple, on fait un état de méditation, et puis subtilement vient se placer une pensée terre à terre, c'est-à-dire je dois payer quand même ma facture, ou je dois quand même aller voir quelqu'un, parce que là, si je ne vais pas le voir, il y aura un souci. Donc il y a un combat émotionnel, un combat de pensée, une interaction qui est généralement pas toujours dite, au travers de la méditation proprement dite, tandis que l'extériorisation gestuelle par l'afflux émotionnel et une concentration énergétique de pensée, de fréquence, est beaucoup plus sensible dans le cadre d'un bien-être expressif. Hein. On connaît tous ce problème, je le prends souvent dans les stages, on a un couple qui se dispute, et il y a une accumulation émotionnelle, en l'occurrence malheureusement négative, et puis on fait un geste. Parfois c'est un geste malheureusement irréparable, ou c'est un geste simple, casser un vase, une assiette, on connaît tous ce schéma. Qu'on a déjà vu dans des films ou quoi que ce soit, et dans la réalité aussi. Mais l'être humain, en fait, est une batterie. Sa batterie est souvent déconnectée par plusieurs choses. D'abord parce qu'il n'est pas toujours en contact sur l'injonction du sol. Ce qui veut dire que beaucoup de gens, maintenant, ont compris que marcher pieds nus parfois dans la maison... je vais essayer de m'expliquer. Dans votre maison, il y a une forme de sanctuaire énergétique, c'est-à-dire que vous êtes dans une maison qui vous convient, il y a eu un travail réel dans une espèce de forme d'intégrité feng shui, vous êtes, voilà, mais vous êtes dans un stade de décontraction. Et pour garder cette énergie face à la matière proprement dite, et d'occurrence la maison, c'est souvent intéressant de marcher pieds nus. Non seulement ça détend, mais je sais que dans l'histoire, rappelez-vous, chez les yogis certainement, mais dans d'autres religions, on voyait que parfois les... bénédictins, les grands messagers, je ne parle pas des Sumériens, des six prêtres sumériens, je parle de l'ensemble de ces personnes qui vont à rue et à chemin, parcourant les champs, parfois avec leurs sandales en main. Vous retrouvez des petits dessins subtils, des petites fresques où on voit cette sandale, et là, une codification bien sûr, qui a été transformée après, hein, c'est toujours l'histoire des messages, j'en dis 1, 2, 3, et au dixième, le message est un petit peu déformé. C'est dans le cadre des recherches que j'avais fait avec une équipe sur les maisons miroirs, rappelez-vous, on avait fait une conférence en 2012, où il y a une forme de collaboration énergétique entre des maisons qui se ressemblent et qui interagissent sur l'individu qui accumule ces informations. Parfois la famille se désagrège ou au contraire fructifie correctement. Où je veux en venir? Il y a beaucoup de choses à dire. Nous devons d'abord nous baser sur la boîte crânienne. Notre boîte crânienne qui est ici n'est pas encore complètement évolué,
Je veux dire par là qu'elle n'est pas finalisée, et c'est le gros problème parce que notre boîte crânienne est une forme de caisse de résonance comme une radio. L'intérieur, ici, dedans, c'est un petit peu la constitution complète d'une radio. Et c'est intéressant sur... Je viens de me rappeler maintenant, c'est intéressant sur ce phénomène de synchronicité auquel je peux vous en parler, parce que j'ai un ami qui m'a apporté une vieille radio des années 50, elle ne doit pas coûter cher, hein, non, mais elle fonctionne encore. Et ça m'a permis un petit peu d'engendrer cette conversation, enfin, cette petite vidéo avec vous, parce que notre boîte crânienne, comme je vous dis, n'est pas assez évoluée. On retrouve dans l'histoire des boîtes crâniennes très prolongées, il y a une signification, il y a trois significations sur un aspect ancestral et de priorité de peuple, une autre sur un souvenir mémoriel de personnage qui avait une boîte crânienne beaucoup plus ouverte et qui était malheureusement déformée par un événement qui était mille fois plus puissant que des radiations. Et puis le troisième, c'est, je dirais, le souvenir qui vient se colmater, je vais dire, au dôme, dans les cathédrales et à d'autres, comment dirais-je, d'autres bâtiments qui ont cette... comment je pourrais dire, cette mission plus tard à faire comprendre qu'un habitacle à longue portée, donc dans l'espace, il y a certains angles interagissent dans notre cerveau. Mais c'est pour plus tard, on ne sait pas tout expliquer. Donc, ces énergies, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de... On va garder l'aspect de la boîte crânienne, il y a beaucoup de ressentis, d'émotions qui se transforment en énergie. On peut travailler ces énergies de certaines manières pour les diffuser, lancer une fréquence énergétique pour augmenter un phénomène de guérison chez quelqu'un. Donc la pratique Reiki sont les bases. On n'a pas la finalité, enfin pour le moment la finalité du Reiki au travers des énergies et de passation d'énergie n'est pas finalisée. Pourquoi ? Parce qu'il y a plusieurs éléments, boîte crânienne, environnement, situation, il y a beaucoup de choses. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on sait très bien qu'à la base, il fallait faire comprendre qu'il y a des influences énergétiques, des ondes, un peu comme les ondes de musique, hein, vous connaissez tous, je ne vais pas vous faire l'affront de vous expliquer que les Hertz et ainsi de suite interagissent sur la méditation, sur le comportement. Moi j'ai connu ça dans les années 80, dans les salles de body, ça ne me rajeunit pas, où il y avait le lancement des premiers Walkman, rappelez-vous, là, les Walkman avec la petite cassette et tout, et on voyait que les bodybuilders, grâce à cette musique, ils étaient plus en train, c'est le cas maintenant dans beaucoup de salles, hein. Mais dans les années 80, c'était nouveau, et ça stimulait vraiment l'aspect émotionnel dans le cadre de booster. Moi, j'ai connu ça aussi dans le cadre de certains métiers où des gens étaient en cellule. Et je remarquais que ces gens, quand ils avaient la télévision, la musique, il y avait un aspect émotionnel où ils pouvaient supporter un peu plus, malheureusement, leur milieu carcéral. C'était un des objectifs, évidemment, de l'État, de pouvoir octroyer de la musique et octroyer la télévision pour éviter souvent une pensée négative qui pourrait entraîner un suicide. Bon, il y a c'est des choses à savoir, bien sûr. Donc, il fallait faire comprendre que... ces énergies, ces fréquences existent depuis l'aube des temps et qu'elles agissent aussi sur l'évolution successive de l'être humain. Et c'est comme ça qu'on a éteint un individu, en l'occurrence un futur maître Reiki qui passe par une expérience de mort imminente, qui se réveille et comme je vous ai souvent dit dans ces conférences, il ne peut pas tout expliquer parce qu'il est dans un environnement de croyance, il est dans un environnement
ou certains aspects politiques, religieux, croyances et tout, étouffe un petit peu ce qu'il veut développer. Donc, il ne développe peut-être que 65%, je dirais bien 65% des véritables techniques Reiki. Il lui manque donc un pourcentage à expliquer, mais il y a bien sûr une vie de famille, il y a beaucoup de choses qui font en sorte que si il devance une nouvelle théorie avec une pratique, ben, il va s'attirer les foudres de guerre, comme beaucoup de gens qui développent de nouvelles théories. J'en sais quelque chose, n'est-ce pas? Mais je reviens sur mon idée. Notre boîte crânienne, en fait, est pour le moment influencée, non seulement, rappelez-vous, je vous en ai parlé, par l'oxygénation actuelle qui est très nocive, sur des pensées qui sont difficiles parce qu'elles sont gérées par notre société, par une forme de manipulation, d'anticipation par le cinéma, par les séries télévisées, par la publicité, par les médias, on connaît tout ça. Donc il y a un amalgame d'informations énergétiques par rapport à des fréquences qui nous empêchent évidemment de réaliser une forme de réalité, sauf les EMC, qui sont donc les états modifiés de conscience, qui sont les vrais, hein, je parle des vrais, pas celles qui sont mises dans un cadre hypnotique et ainsi de suite. Donc là, on parle de fréquences brutes qui stimulent un peu comme des gens, comme je vous ai dit dans cette petite vidéo, des gens qui ont des chocs émotionnels où il y a une réactivation de sensations, de sensibilités, de perceptions, d'intuition et de ressenti qui fait qu'il rentre dans un état, je dirais dans un monde non visible, qui sont plus ressentis émotionnellement ou par injonction de fréquence. Au travers donc de tout ce dédale d'énergie et de fréquence, les premiers tests d'abord ont été de scanner comment la fonction des énergies, comment le cerveau accepte des énergies qu'il ne connaît pas. Donc, je veux dire par là que dans les méditations, on voit maintenant, grâce à les IRM, scanners et compagnie, qu'il y a des zones au niveau du cerveau qui interagissent dans un aspect positif, réceptif, ou qui extériorisent un état de bien-être. Mais il n'y a pas que ça. On sait bien aussi dans des scanners, quand il y a des gens qui sont très mal dans leur peau, qui ont des problèmes, on voit différents secteurs émotionnels, ainsi de suite. On s'en sert plus pour le moment pour gérer les prochains cerveaux artificiels, intelligence artificielle, mais on va découvrir quand même que le cerveau perçoit des émotions subtiles extérieures et il les zappe. Pourquoi? Parce qu'il y a tout cet amalgame artificiel qui fait que ce cerveau n'arrive pas à cibler ce que nous avions, nous, avant. Nous arrivions à cibler émotionnellement, instinctivement, des choses qu'on ne percevait pas visuellement, ni l'écoute, ni les cinq sens, mais on sentait quoi. Souvent, ce développement servait aussi à la fréquence d'une agression susceptible d'avoir lieu, donc un animal qui pouvait attaquer, mais surtout, cette fréquence était reliée avec l'environnement et la nature. Et c'est là qu'on se retrouve dans la véritable technique du chamanisme, qui est l'ouverture émotionnelle, temporelle et aussi fréquentielle sur la nature. Et on répercute ça évidemment à travers une sonorité qui est le tambour chamanique. Donc je vous rappelle quand même l'origine du chamanisme. Qui est une forme de prépondérance à une association de différentes émotions répercutées sur un animal qui, en l'occurrence, a disparu. Donc, par exemple, si je suis très massif, je pars sur un cadre d'un ours, si je suis plus félin, bon, vous voyez ce que je veux dire? Donc, ce sont des codifications mémorielles, un peu comme des totems dans les scouts ou que sais-je, qui nous rappellent des émotions que nous avons plus ou moins perdu à travers la technologie qui arrive maintenant. Hein. On sait très bien, rappelez-vous l'histoire de la cerise, hein,
rapidement, dans les années 20, une cerise, on la prenait, on la volait, on la mangeait. Puis dans les années 50, c'était un peu la même chose, mais ça commençait à coûter cher. Puis maintenant, ça devient cher. Et puis les jeunes, avec l'informatique et tout, on va avoir une difficulté à comprendre l'aventure d'aller un peu les voler, l'aventure de les goûter, le travail du souvenir. Donc, c'est ce qui est arrivé donc au niveau des animaux, vous le voyez pour le moment, ce qui est en train d'arriver. Alors, le chamanisme, en réalité, joue sur l'émotionnel et le rappel mémoriel avec les animaux, mais ce n'est pas que ça. Il y a donc dans le chamanisme la recherche de ces fréquences, mais souvent nous sommes obligés de rentrer dans un état modifié de conscience avec un substitut. Donc, ça va remplacer le choc émotionnel, rappelez-vous, qui vous met dans un état de perception et ainsi de suite. On ne peut pas toujours avoir un choc émotionnel, donc on va utiliser des substituts, différents produits, différentes choses, un peu comme les anciens chamans qui se mettent dans un état de transe. Et là, le cerveau, lui, arrive à se déconnecter de l'environnement et à entrevoir différentes choses. Il faut quand même couper un peu le gâteau en deux. Il y a des choses qui sont censées et qui ont une projection futuriste et événementielle, et l'autre où il y a une dérive au niveau de différentes réactions au niveau du cerveau qui s'associent à ce produit et qui part dans une dérive un petit peu d'illusion. Alors là, il faut vraiment bien regarder à ce travail. Alors, au niveau du tambour chamanisme, du chaman, en fait, le travail est une temporisation de fréquences grâce à ce tambour. Je vous en ai parlé dans une conférence sur les expériences de mort imminente où on se demandait pourquoi certaines personnes pouvaient accepter et recevoir dans un état de mort une fréquence et la visualiser, parce que j'ai appelé ça le phénomène de la guitare sèche, c'est-à-dire que ces fréquences interagissent plus sur le muscle, mais sur les fonctions squelettiques de l'individu. Donc c'est ce qu'on vient de découvrir maintenant, mais si vous avez l'occasion d'aller voir sur la page les chroniques d'une expérience de mort imminente, ou voir même d'autres pages que j'ai créées en 2012, je parle déjà de ce phénomène de vibration sur la calotte crânienne et qui, évidemment, le répercute sur l'aspect squelettique, ce qui nous développera plus tard une des grandes théories sur la projection astrale. Alors, le tambour chamanique, en fait, c'est quoi? On va répercuter une vibration vers une autre personne et on aura un retour, je dirais, sur l'aspect vibration musculaire, vibration au niveau du squelette, vibration au niveau des cortex et de la boîte crânienne qui va produire une image. En l'occurrence, bien sûr, on a toute l'éducation qui est derrière, où on voit une image des Amérindiens, on a vu des Indiens à la télévision, on a vu toute la panoplie du vêtement. Donc il y a l'artifice qui est ancestral, qui va jouer évidemment sur l'aspect émotionnel, sur l'aspect motrice de l'individu, de se dire, voilà, je rentre dans un cadre amérindien et je m'identifie d'une certaine manière, mais c'est l'aspect sonore qui interagit en réalité grâce au tambour. On sait tous quand vous allez dans les fêtes foraines, quand vous avez devant vous l'orchestre qui boum, 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 vous sentez en vous un petit choc là, boum, boum, boum. C'est la même chose en fait. Donc, il y a toute une éjection émotionnelle. Voilà, on reçoit à l'intérieur de nous cette grosse caisse qui tape et cette musique. Et puis, on contrecarre évidemment tout ça, et puis on se mêle à la fête et on est parti. Dans le chamanisme, c'est à peu près la même chose, parfois avec un produit, un substitut, ou toute une amalgame qui entraîne la personne à se mettre dans cet état modifié de conscience. Je ne peux que penser dans ces fréquences par rapport aux faux exorcismes. Alors, il y a des gens qui disent, voilà, on va se mettre en groupe. Et on va créer
un nettoyage d'une personne qui ne se sent pas bien. Alors là, c'est facile, parce que je l'ai vu. Ces gens, en fait, devant la dizaine, quinzaine de personnes, ont déjà repéré quelqu'un qui est plus faible d'esprit. Et ils vont le cuisiner subtilement devant les autres et le mettre à un moment donné en porte-à-faux où la personne va se sentir énergétiquement, émotionnellement explosée. Et là, il va dire, ah, vous voyez, elle est possédée, ensemble, nous allons travailler, elle tour est jouée, elle porte-monnaie est ouverte. Ça, c'est du vécu. Le véritable exorcisme, c'est pas ça du tout. Hein. C'est un phénomène de mode, ce que je vous explique là, pour jouer sur la bêtise humaine, ou surtout pour attirer les jeunes dans le mystère, et ainsi de suite. Le travail fréquentiel. Donc, c'était très difficile de pouvoir détailler comment le cerveau fonctionne sur, comment dirais-je, la décodification des énergies, de ces fréquences qui viennent. Je ne vous parle pas des acouphènes, je ne vous parle pas non plus de phénomènes où la personne est un peu perdue dans son raisonnement et elle entend des voix. C'est un peu plus... C'est autre chose, je vais dire. On va dire ça comme ça. C'est des gens que j'ai rencontrés aussi. Hein. C'est pour ça que pendant 5 ans, je me suis immergé dans beaucoup de choses pour moi voir jusqu'où les gens pouvaient aller pour vous mentir et d'autres où ils pouvaient aller pour vous aider. J'en ai rencontré beaucoup. Vous savez mon histoire maintenant. Alors, nous avons donc différents niveaux d'acceptation énergétique. Et on retrouve ça dans une catégorie bien connue dans la Bible où on parle des anges et de leurs trompettes. Hein? Donc ces trompettes, en fait, sont des codifications de fréquences qui interagissent sur le corps humain et sur sa manière d'anticiper, de comprendre, d'analyser, et ainsi de suite. Donc, l'objectif pour le voyage dans le temps, c'était d'abord de trouver les fréquences. Et pour ces fréquences, on a dû se porter sur une forme de banque de données qui pouvait répertorier des fréquences. Mais ces fréquences, elles changent. Le problème, c'est que ces fréquences, elles changent tout le long de l'évolution. Les fréquences que nous avons maintenant ne sont pas les fréquences d'il y a 400 ans, 2000 ans. Les fréquences extérieures, donc je parle du futur, sont différentes en fonction encore et toujours de l'aspect terrestre, de l'aspect magnétique, de l'aspect électromagnétique aussi, et aussi donc de différents facteurs qui vont jouer sur notre environnement. Je parle là des déchets dans l'espace. Mais ça, c'est pour plus tard. Donc, trouver les bonnes fréquences, ça n'a pas été du gâteau. Il a fallu d'abord étudier le raisonnement des matériaux d'époque, donc comment les matériaux interagissent. Il a fallu trouver aussi quel type de personnage utilise des fréquences où il pourrait assumer ces fréquences. Donc ça n'a pas été vraiment du gâteau. Alors on s'est basé sur la fréquence simple, la fréquence de vie. Donc c'est quoi la fréquence de vie? C'est au moment où vous rentrez dans la vie, donc la naissance, il y a cette première pulsion. Et celle-là, elle est, je dirais, fiable. Parce que vous l'avez du début jusqu'à la fin, cette fréquence de vie. Malgré que vous mangez mal, malgré qu'on vous enseigne ancestralement le culte du corps, malgré qu'on vous enseigne une forme d'éducation et d'ouverture d'esprit au travers des cathédrales, par exemple. Tout le monde sait bien que dans des cathédrales, à certains endroits, il y a des fréquences qui jouent sur l'émotionnel. La musique, patati, patata... Bref, on sait à ce moment-là que la fréquence de vie, c'est celle qui est fiable. Le problème, c'est que on n'a jamais pensé qu'au fin 20e,
début 21e siècle, qui auraient des fréquences confuses. Je veux dire confuses. Je veux dire par là que, rappelez-vous, il y a 5 ans, je vous ai parlé que le Vatican allait développer beaucoup de prêtres, exorcistes pour interagir. Bah, ils font le travail de psychologue, enfin de psychiatre, c'est d'intervenir chez les gens qui ont un sens très confus, qui sont un peu perdus. Ces émotions ont fait en sorte qu'ils se laissent aller, mais cette fréquence de vie est atteinte à ce moment-là. C'est souvent ce qu'on a dans le lieu critique où la personne met fin à sa vie. Donc, on a eu la, je dirais, la, l'historique de comprendre pourquoi il y a eu, à un moment donné, bien sûr, il y a eu des gens confus dans toutes les époques, mais une recrudescence, un grand chamboulement au niveau de la boîte crânienne et d'un détournement, je dirais, d'afflux de vie énergétique. Que fin et début du XXIe siècle. On s'est rendu compte pourquoi, parce que là, il y avait un gros problème de société, une finalité de société, mais surtout, il y avait un changement d'oxygène, respiration. Et là, on a constaté que le point 02, comme c'est marqué sur une stèle, qu'on a eu l'occasion donc de comprendre ultérieurement, que le taux d'oxygène, évidemment, allait jouer un rôle, et vous le voyez maintenant par rapport à beaucoup de choses que je vous ai dit. Et là, ça a été une grosse difficulté. Mais un programme a été mis en place sur l'aspect oxygène, je ne vous ferai pas l'affront de vous dire lequel, mais on a aussi visé les gens sensibles. Des gens qui sont chirurgiens, qui sont scientifiques, et les mettre dans un état d'expérience de mort imminente pour leur donner des informations et pouvoir anticiper des programmes que vous allez connaître dans les prochaines années. Je parle des IRM, je parle de beaucoup de choses, de l'autosensibilisation par un système holographique mémoriel. Mais d'abord, il faut laisser passer la grande panique des androïdes, il faut laisser passer la grande panique des systèmes virtuels, et puis ce gros problème en Amazonie. Alors, on a découvert quand même donc qu'on pouvait, au travers de cette boîte crânienne, faire le même style qu'une radio. Donc, principe de la radio, c'est émettre une fréquence et la radio le reçoit. Je ne peux que penser à cette histoire qui s'est passée à Paris, je crois que c'est dans les années 50, c'était le début des radios émettrices à Paris, et c'est un célèbre, je ne vais pas le nommer, c'est un célèbre conteur qui fait beaucoup de livres et qui passe souvent à la télévision, qui a fait même téléboutique, qui nous expliquait justement qu'un monsieur rentrant chez lui près d'une antenne radioémettrice à cette époque-là entendait dans sa tête des sons plus ou moins, des voix mais très indistinctes. Et puis on a constaté qu'il avait été chez le dentiste et on lui avait mis donc un alliage qui faisait réception sur les ondes radio. C'est une histoire qui me semble authentique par rapport à notre ami qui nous a parlé, ce grand conteur. Et ça, c'est quelque chose qui est intéressant, parce que vous allez me dire, ouais, c'est peut-être pas possible, mais je peux vous parler d'une autre histoire. Il y a des gens qui ont des prothèses dentaires ou une broche, et quand ils passent au portique d'un magasin, ça vous rappelle quelque chose ? Des gens qui passent et puis spontanément ça sonne et ils vous disent mais j'ai rien. Mais le portique en réalité d'un magasin, je ne vais pas parler aux voleurs, mais il y a différents degrés de sensibilisation, on peut diminuer, augmenter, mais parfois quand on l'augmente au niveau de sa détection, eh bien une broche, une dentition, bridge et ainsi de suite fait sonner le portique. Donc, on sent déjà qu'il y a une forme de magnétisme,
bien sûr, mais ces ondes, je veux dire, interagissent sur notre corps. En l'occurrence, ce qui agit là, ce que je vous explique, ce sont bien sûr des corps étrangers qui ont interagi sur l'aspect magnétique, mais nous avons aussi, nous, nos propres systèmes pour pouvoir ressentir des choses, les voyants, les médiums, magnétiseurs, enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Mais au-delà de tout ça, notre cerveau est capable, lui, de se focaliser sur des énergies, des fréquences, et de les percevoir, mais il ne sait pas toujours les analyser. On peut rentrer aussi dans le cadre de, comment dirais-je, de ces messages qui arrivent dans votre esprit, canalisation, pardon. Canalisation, il y a les vrais, il y a les fausses, hein. Il y a ceux qui disent, voilà, une canalisation, j'ai ici, j'ai eu là, ça fait 50 euros. Non, il y a d'autres qui ont une canalisation qu'on retrouve sur un aspect historique et biblique, par exemple, la transfiguration des apôtres, par exemple. Donc, il y a à boire et à manger. C'est vraiment la grande table comme on nous le montre dans la scène, hein. Il y a à boire et à manger. Donc, ces fréquences, il fallait trouver comment elles fonctionnent. On a trouvé. Dans le cerveau, il y a des systèmes vibratoires, mais il y a aussi différents, je dirais, liquides dans le corps. Ces liquides, quand ils s'associent, ils peuvent gérer le corps, l'esprit, tout, et emmagasiner cette fréquence. Et c'est à travers cette première fréquence qu'on a pu lancer la première information. Voilà. À bientôt pour une troisième vidéo. Celle-ci est la deuxième. Elle a été faite le 20 mars 2018. Il est 1h30 tout juste. Tout juste. Et merci beaucoup pour vos courriers, pour vos réactions.